c'est l'heure de se lever en route pour le plaisir. C'est vrai que pour ce petit cochon, il se profile un bel avenir. Car dans son cœur, il a tout ce qu'il désire. Ouh, ah, Super Samson. Ouh, ah, Super Samson. Monsieur Loup fait ce qu'il peut pour être très méchant. Mais y'a rien à faire, son caractère n'est pas si malfaisant. Alors Samson peut vraiment prendre du bon temps. Ouh, ah, Super Samson. Samson. Samson, c'est le champion. Ouh, ah, Super Samson. Super Samson. Le cochon du match. Réveille-toi, papa. C'est le jour du grand match. Tu t'es habillé drôlement vite aujourd'hui, mon chéri. Je suis vraiment désolé, fiston, mais je ne pourrai pas assurer l'entraînement. Je ne me sens pas très bien. Mais papa, on joue contre les gras double fumée. On a besoin de toi. Ne t'inquiète pas, Samson. J'ai déjà prévu un remplaçant. C'est grand-mère. Oh, bonjour. Comment vas-tu, Samson? Tu n'es pas l'entraîneur remplaçant, n'est-ce pas? 10 tours de maison au pas de course, s'il te plaît, jeune homme. Oh, d'accord. D'été. Oh, il est bien chaud. On dirait qu'il va faire un temps magnifique. Oh, tu es un entraîneur impitoyable, grand-mère. Mon petit déjeuner se défoule. Miam. Super Samson, allez, viens, on y va. Tant pis, ce sera pour le brunch. Quel repas de roi! Salut tout le monde! Où est ton père? Il est couché avec un gros rhume. Mais ce n'est pas grave, grand-mère va s'occuper de nous. Oh, génial! Alors on n'a aucune chance contre les brutes de gras double fumée si c'est la grand-mère de Super Samson qui nous entraîne! Ça suffit, les enfants! Maintenant, merci beaucoup! Je suis peut-être une grand-mère hors idée, mais croyez-moi, je m'y connais en football! Allez, les truffeurs, 10 tours de piste pour s'échauffer. Ah, hein? Et pour quelle raison n'es-tu pas en tenue? Ma tenue? Je peux tout expliquer. File au vestiaire et débrouille-toi pour trouver un short et un maillot du club. Étirement. Voilà, enfin, tu ne t'es pas échauffé, il me semble. Alors, 10 tours de piste, comme les autres. Hop, 2, 3, 4. C'est un redoutable entraîneur, ma grand-mère. Vous n'avez aucune chance, bande de minus, même avec beaucoup d'imagination. Ne vends pas la peau du loup avant de l'avoir tué, Billy. Prêt? Que le match commence. Essaie de prendre le ballon, bébé Gadom. Bien vu. Oh. Et
alors, qu'est-ce que tu fais? Vous m'avez dit de courir autour du stade. Ah, c'était avant le début du match. Changement de joueur. Attention, petit coton, viens par ici. Non, 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 seulement toi, le petit coton numéro 3. Mi-temps. Oh, on n'est qu'à 2-0. Oh, écoutez-moi bien, les truffeurs. Il y a deux mi-temps dans un match. Mais ils sont très gros et ils font très très peur. Et ils mettent 2-0. Je me manque de savoir combien ils ont marqué de buts. Je veux que vous retourniez sur le terrain et que vous tendiez votre manière de progresser. Et toi, si tu as l'intention de jouer avec tes mains, tu ferais bien d'aller dans le but. Réjouis-toi, ce sera ton seul et unique but de la partie. Champion, ouh, ah, Super Samson, Super Samson.